Salut à tous! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de LN Play sur DuckTales. Ouais, c'est ça. On va s'acharner sur DuckTales. Remasterisé, bien sûr. Hein. Bah oui, forcément, c'est LN Play. Sinon, ça serait la cave à jeu. Voilà, exactement. Et première nouveauté... Plouf! Ouais, on peut enfin sauter, nager dans l'or, dans les pièces d'or. Il est content, Picsou, là. Ouais, bon, on n'a pas beaucoup d'or pour le moment, mais bon, ça se remplira au fur et à mesure, quoique non, ce n'est qu'un test. Donc, je pense pas que ça se remplira beaucoup. À moins qu'on soit super balèze, mais... Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Donc, ouais, on se retrouve sur DuckTales, les amis, aujourd'hui. Le jeu, il est sorti le 13 août 2013. Et il est édité par Capcom et développé par WayForward. Donc le jeu est... Enfin, pour ma part... Attends, désolé, je te coupe juste. Je précise que je vais passer toutes les cinématiques, sinon il va y passer la journée. C'est vrai. Donc je zappe. Hein, et je te laisse continuer. On allait apercevoir Flagada Jones. Flagada. Ah bah on le voit là, il est dans son hélico, c'est Flagada Jones. Voilà. Il est trop fort. Comment j'ai pu lire tous les super pixels géants là? Mais ça. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc le jeu est pas si facile. Hein. Non. Je tiens à le préciser. Enfin, il est pas si facile. C'est pas bien compliqué non plus. Hein. Ah bah voilà. On va faire 3 cœurs chacun. Ouais, on va. Histoire que ça tourne assez vite, on va faire 8 vies chacun comme ça. Ça bougera assez rapidement. Ouais. Donc ouais, enfin pour ma part, j'allais dire le jeu, je le trouve très bien, très fidèle au jeu original en fait. On retrouve chaque stage qu'il y a dans le DuckTales premier Dino. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on reconnaît bien les subtilités de chaque stage et tout ça, notamment le stage de l'Himalaya, pardon. Qui a bien galéré dessus étant plus jeune. Le jeu est vraiment bien bien représentatif. Les musiques, bah pareil, c'est les musiques de l'époque. Bon bah refaites bien sûr en qualité d'aujourd'hui, en MP3 tout ça. Donc c'est vraiment. C'est une bonne surprise quoi. Ouais, assez bien repris franchement. Mm. Bah un peu comme Castle of Illusion remasterisé qui sera le prochain LM Play oui. Du coup. Que je trouve plutôt excellent aussi. C'était court. En plus d'habitude j'y arrive mieux que ça. Hop, alors moi je vais essayer d'enchaîner vite fait. Donc là c'est le premier stage, c'est le stage de l'Amazonie. C'est ça. Et oui, le but donc dans chaque stage, c'est faut récupérer tous les petits restarts. En fait, là, on a toutes les petites pièces qui permettront à la fin de changer de monde et surtout de remplir la piscine de Picsou. Ouais, bah après c'est ces petits trucs là, voilà. Là, hop, je viens de gagner un peu de sous et plus on gagne de sous, aïe, plus on remplit la piscine à Picsou et et il est content Picsou forcément. Donc là on a gagné une nouvelle pièce et une fois qu'on aura tous les médaillons on pourra finir le stage. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. Je me suis trompé. Ouais, j'ai même pas passé par là tout à l'heure. J'ai tracé ouais, directement. T'as tracé tout droit mais tu vois pourtant il y a 2 pièces. Oh non. Ah bon bah. À toi. T'auras pas besoin d'aller récupérer cette pièce. Et puis voilà. Ouais mais moi j'ai horreur du passage avec les araignées. Mais là shoot-le avec la pierre, c'est ce que j'aurais dû faire en fait. Non. C'est pas grave. On en profite. Ok. Hein. C'est passé, ça passe. En plus j'ai récupéré mon quart de cœur. Non. Mais ouais ce jeu pour les nostalgiques. Ça rappelle vraiment énormément de souvenirs, ça c'est sûr. Attention au-dessus. Ouais. Ah là là. Bon, bah. Ah, oh, truc de ouf. On va passer à un autre stage. D'habitude, hein. On va passer à un autre stage. Oui, là j'avoue que ça a été radical. Hein. La Transylvanie, c'est trop bien. Tu te bats contre ouais, des fantômes. Ouais, la Transylvanie. Mais j'aime bien l'Himalaya. Enfin, de toute façon, on risque de mourir, tu mettras l'Himalaya juste après. Donc voilà, là on vous dit c'est un jeu remasterisé, tout ça. Mais de quel jeu?
Bah, de DuckTales sur NES qui était sorti en 90. C'est ça. Parce que sur NES, il y a eu donc en 90 DuckTales, et après il y a eu aussi en 93 DuckTales 2. Et donc c'est quand même. Oh, il y a Riri Fifi et Loulou! C'est vrai. Et la petite. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est. Merde! Je sais plus. Zaza! C'est Zaza. Je crois, je suis pas sûr. Prends l'émeraude. Ouais, non, je sais plus du tout son nom. Je me souviens de Daisy. Mais c'est la nièce de Daisy, si mes souvenirs sont bons. Sûrement. C'est pas sa fille, mais voilà. C'est sa nièce. Juste au-dessus, il y a quelque chose. Je peux pas y aller pour l'instant. Ah, j'ai vu que j'avais zappé qu'on pouvait balancer les blocs. Ouais, ouais, si tu peux. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc oui, alors on a un bouton pour sauter qui est le bouton A. Et le bouton X pour quand on est en l'air, on saute en fait. On appuie sur X et après Picsou il va se mettre sur sa canne. Et du coup ça va le faire bondir comme ça. Donc là on va aller délivrer notre premier neveu qui est Riri. Et pour cela on doit taper sur la tête du vilain. C'est Raptou, c'est ça, les c'est Raptou. Les Raptou. Donc là pour l'instant il y a un seul Raptou, c'est pas bien compliqué, faut le toucher trois fois. Et boum, voilà. Donc ça c'est fait. Et puis bah on va faire ça pour tous les points blancs qu'on trouve sur la carte. Il nous en reste deux. Ils sont pas doués quand même, hein. Ils spawn à chaque fois. Ouais, bah dans quasiment tous les jeux, hein. Il y a quelqu'un qui se fait kidnapper ou un truc comme ça. Hein. Oh, pour une fois c'est pas la fille, c'est bien. C'est pas faux. Moi j'allais dire pour une fois que c'est pas Peach, parce que Peach. Un peu saoulante, hein. C'est toujours la même histoire avec elle. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Hein. Sans elle, il y aurait pas non plus Mario qui serait en train de lui courir après. Tout à fait. Donc, oui, ce jeu a été développé par une équipe, enfin l'équipe de développement qui a développé ce jeu. C'est donc Way Forward Technologies. Oui, non, enfin oui, mais attendez, je me perds là. C'est l'équipe qui a également développé Double Dragon. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire. Exactement. Ah, je cherchais, j'avais oublié le nom du jeu. Oh, quand même. Et mais bon, c'est. Bien grave, vous m'en voudrez pas d'avoir oublié. Je joue à trop de jeux. Je joue à trop de jeux. Puis je cherche des infos sur pas mal de jeux aussi. J'ai tendance à confondre au bout d'un moment, vous vous rendez compte quoi. Donc là il nous reste juste un seul personnage, ça va là, je suis bien parti hein, pour ce stage. Non, pas en haut. Non, pas en haut. Moi j'aime pas, c'est quand il y a des ronces au plafond. Ouais, c'est pas évident de les esquiver, effectivement. Il n'y a pas normalement le petit hockeyeur dans ce stage. On l'aperçoit dans le jeu, je sais pas si c'est dans ce stage. Bah, de toute façon, dans le jeu-là, on croise un peu tous les personnages de la bande à Picsou, et ce qui est bien, c'est qu'on peut débloquer genre les petites figurines. Bah, on ira faire un tour, on montrera ça, on montrera ça à la fin du test. Oui, effectivement, on peut débloquer pas mal de avec l'argent qu'on obtient dans le jeu. Aïe, saleté de fantôme, c'est dégueulasse. On peut débloquer des petites figurines, ouais, une collection et c'est bien, on voit un peu le avant après quoi. C'est plutôt cool. Ah oui, c'est vrai que dans chaque coin de la figurine, il montre la version pixelisée du personnage et c'est assez sympa de pouvoir comparer les deux sur la même image. Bah ouais, c'est toujours cool, ça, et puis ça peut évoquer pas mal de souvenirs aussi à pas mal de monde, notamment moi. Je sais que je l'avais pas le jeu quand j'étais petit, mais j'avais un copain du quartier qui avait la NES. Aïe, qui avait la NES et on s'est... Ouais, c'est au-dessus. On s'est bien trippé sur ce jeu-là. Enfin, on s'est bien trippé. On a surtout fait pas mal de crises. On a surtout, ouais, pas mal pété les plombs. Ce qui est pas évident, ce jeu-là, surtout quand t'es gosse. Mais toujours un plaisir énorme, quand même. Comment je fais?
C'est con, tu t'étais fait toucher. Ouais, bon bah hop. Ouais, t'aurais pu en profiter. Ouais, j'aurais dû profiter de ma frame d'invulnérabilité. Oh, bah c'est là. Allez, voilà. On va aller en bas. Hein. Ah, quoique, il y a peut-être des... Ah bah. Hop là, voilà, c'est ça que je voulais. Mais t'en as peut-être d'autres, hein. Tu en récupères assez facilement de la vie dans le jeu. Ouais, mais je vais pas trop courir après tout ça. C'était pas par là. Ah non, ouais, c'est pas ce miroir, il va m'emmener. Oh mince. Je me suis trompé. Hop, on enchaîne, boum. Voilà, c'est ce miroir là. C'était ce miroir là, les amis. Et oui, ces miroirs servent de téléporteur, ouais, en gros. C'est ça. Ça, c'est génial. Oui, oui, c'est génial. Petite phase en wagon, quoi. Moi, j'adorais. Oui, ça fait toujours quelque chose en plus dans le gameplay, c'est sûr. Après, c'est un peu comme dans Quake Shot, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent exact. Pas. Je vous invite à regarder, j'avais fait un épisode seul sur ce jeu-là. C'était le tout premier de la cavageuse. C'est ça, le tout premier épisode de la cavageuse, c'était sur Quake Shot. Et bah, c'est un peu ça, quoi. T'es dedans, mais pas grand-chose à faire, quoi, hormis sauter des fois de temps en temps. Oh, mais c'est sympa. Oui, ça oui, donne, c'est toujours le très petit sympa. Truc. C'est sûr. Donc la seule différence qu'on peut noter sur la remasterisation de ce jeu, c'est qu'il y a un stage plus ou moins... Aïe, sale tête fantôme. Un stage plus ou moins supplémentaire au début. Il y a une espèce de petit stage d'introduction. Un didacticiel. Quoi. Ouais, didacticiel, quoi. Et, mais rien de bien méchant, franchement. Et puis t'as... En gros, t'as 5 mondes différents. Ah bah non, c'est pas fini, je croyais que c'était. Et t'as un didacticiel de début et un stage de fin en fait. Oh le nul. Et si par rapport au jeu originel aussi, les niveaux ont été un peu rallongés. Un poil rallongé, ouais, y a une difficulté légèrement accrue. Voilà, le jeu tu le finis un peu moins rapidement que l'original. Mais ça, je suis pas convaincu par contre, parce que moi je le trouve un poil plus facile, je trouve, tu vois. Les niveaux ont peut-être été rallongés un peu, mais moi je le trouve un poil plus facile quand même. Oui, après, plus facile que l'original. Je parle de ça avec les souvenirs de l'époque. Donc j'étais. Enfin, j'étais vraiment minot. Hein. On devrait faire un comparatif en fait. Bah, ça. Attends, on va jouer à l'original juste après. Ouais, on pourra tester l'original. Hein. Bah, on l'a pas, hein, remarque, mais on pourra toujours le prendre. L'original sur NES et faire un cavageux dessus, pourquoi pas. Ce serait une bonne idée. Hop, donc là un petit checkpoint. On va prendre ce qu'il y a en dessous, on s'en fout. Ça va, tu gères avec Peter, moi je touche pas beaucoup la bah, manette. Bah ouais. Mais je vais pas tarder à te passer la manette. Hein. Pas que je vais perdre, hein, mais je vais non, tu vas voir, moi je vais la prendre, ça va te durer 3 secondes. Même si j'adore ce jeu. Donc là, non, si c'est au bout ou c'est. Non, c'est au-dessus. Non, c'est au-dessus, ouais. C'est au-dessus. Ah, mais ça passe normalement. Allez. Voilà. Boum. Boum. Oh non! Tu vois, je m'en fais toucher une fois, c'est foutu. Ouais, mais attends, c'est-à-dire que tu vas me passer la manette pour les endroits les plus durs. Oui. ouais, on va au-dessus et à droite. Mais j'ai déjà été ici. Non, c'est de l'autre côté. Hein. Ah, bah non, par en dessous. Voilà. Mm-hmm. Eh oui, j'avais oublié qu'il y avait... Putain, tu t'en souvenais de ça? Donc on zappe la cinématique, hein. Et boum, on finit dans le miroir et ça va pas durer longtemps parce que il me reste que une vie et voilà, c'est bien le passage que je me souvenais. Et tu peux pas les tuer ces petits fantômes. Non voilà, ces fantômes on ne peut pas les tuer, on peut rien faire. Ou alors, et ils apparaissent un peu comme ça à l'improviste. C'est pas forcément. Non, oula, ouais. C'est pas forcément évident. Oh de la vie. Oh non. Bon. Oh les boules. Bah tiens. Ouais, je vais essayer de tu reprends à l'endroit bien difficile quand même. Je déteste cet endroit.
Mais non, viens pas par là. Tu te pièges toute seule en fait. Il y a un endroit très similaire à ça dans la version originale. Comment tu balances les blocs déjà ? C'est Thomas. Attends, faut que tu te places devant et que tu fasses un coup. Un coup de canon, voilà. Ah, comme ça. Yes. Mais là, ouais, ça sert à rien, ils sont. Parce que je me dis, si ça se trouve, on peut les tuer. Merde. Non, là, c'est des blocs de pierre, tu les casses les blocs de pierre, tu peux pas les envoyer. Ah oui, d'accord. Et là, faut que tu passes par-dessus. Oh là là là. Ah, vite. Il y a de la vie là-dessus. Non, attends, c'est pas cela. Voilà, désolé. Ouf. Tu m'induis en erreur. Oui. C'est horrible de ta part. Le méchant. Ouais, ou trace. Hein. Ah, c'est la fin en plus. Ah, il est pas si long ce passage là. Et là, ça va être le boss. Et là, oui, voilà. Oh, mystique! Exact. Ouais, quand j'étais jeune, je la trouvais assez sexy, Mystique. Petite brune là, comme ça. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Bah là, il faut que. Mais non, il va tomber. Ouf. Il a de la chance. Là, vas-y, va lui sauter dessus. Voilà, boum, tu repars. Et là. Faut que je saute dans un miroir, non? Ouais, il faut. Non, faut que tu shootes le miroir là. Non, l'autre. Voilà. Je les shoote tous. C'est ça, faut shooter le miroir dans lequel elle est. C'est bien ça. Oh, la pétasse. Donc là, pareil. Voilà, boum. Et dès que tu retournes. Voilà. Et là, barre-toi. Oh, elle s'est transformée en vautour. Et là, elle va redescendre. Tu vas devoir lui sauter dessus. Oh, merde. Dommage. J'ai mal calculé mon dommage, coup. Dommage. Oh là là. Oh, j'avais zappé. Oh, je m'attendais pas à ça. J'avais zappé. Non, mais oui, j'ai regardé tout à l'heure. On a oublié de mettre le chrono, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ce serait bien que tu battes The Boss. Bah, d'ailleurs, c'était à moi de battre là. Pour le coup, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, continue. Je suis désolé. Non, mais continue. Ah, tu rigoles. Ah, mais attends, bah, c'est plus. La dernière vie, hein, après. Faut que t'as un peu droit à l'heure. Ah, tu ouais. T'as fait toucher en oh, plus. Oh, c'est chaud. Je veux une vie. Voilà. Et là, t'enchaînes. Boum, et éloigne-toi. Et là, tu attends. Arrête de sauter. Et là, tu reprends à sauter. Non, oh, comme tout à l'heure. Ah oh. Bon, mais c'est pas bien grave. Oh. Je vais reprendre sur... Bah, tu fais l'Himalaya, non? Non, je veux juste... Alors attends, c'est dans quoi? Si, c'est ici. Ah oui, les figurines. Voilà, je veux juste vous montrer les... Ah, c'est toi. Désolé. Les figurines. Je sais pas si on a assez d'argent pour en débloquer. Non, parce qu'on n'a pas... Ah mais... Bah ouais, non, on n'a pas assez d'argent. Donc voilà, en gros, là, vous voyez en haut à gauche, vous voyez Picsou à l'époque, et vous le voyez maintenant. Donc c'est plutôt sympa. Pareil pour... Flagada Jones et lui je sais plus pas comment il s'appelle celui-là. Je sais plus. Ou alors c'est juste Riri Fifi ou Loulou qui s'est déguisé. Non Riri Fifi Loulou, ah, on ils les sont a là. Aussi il y a mais là il y a Riri. Il en manque un. Mais il en manque deux. Enfin je sais pas. On est loin d'avoir tout débloqué. Ah mais si ça se trouve tu débloques lui en fait ça débloque les trois. Les trois peut-être. Mais enfin ouais c'est vraiment quelque chose de très agréable à voir dans le jeu. C'est juste un petit bonus mais c'est très agréable d'avoir ça. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on va attaquer un de mes stages pas favoris, mais qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. Pourquoi? Tout simplement pour ça. Parce que c'est un stage totalement enneigé, bien sûr. Bon, avec des grottes aussi, des cavernes et tout ça. Moi, en général, j'aime pas les stages avec de la neige. Non, ça va, j'aime plutôt bien. Ah oui, avec les petits lapins. Et voilà, là, si on fait un petit coup, on est coincé. Donc je ressaute hein, pour me décoincer. Et c'est plutôt drôle. C'est plutôt marrant. Ouais, mais attends, genre tu te fais tuer par des petits lapins. Oui, par contre, c'est vrai. Je suis d'accord. Morgane, quand je lui ai montré ce stage, la première fois, elle a fait « Oh, mais c'est nul, tu te fais attaquer par des lapins qui ont l'air tout mignons !» Mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont l'air tout mignons. Et même les chèvres, hein, pour le coup. Voilà. Ouf. Hop. On descend. Et de toute façon, les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Parce que on va arriver à une bonne quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Étant donné qu'on n'a pas lancé le chronomètre, on ne sait pas où on en est. Faudra pas que vous m'oubliez la prochaine fois. Oui. Mais ouais, on pense. Là, je pense que vous avez déjà vu pas mal du jeu. Hein. On vous a montré quand même trois stages hein, en comptant celui-là.
c'est pas rien, c'est une bonne partie du jeu. Et on vous a même montré un boss. Pour le coup, on vous a même montré un boss, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, même si on l'a pas battu, quoi. Ouais, bon. On était à deux doigts, on va dire qu'on l'a battu. Non, faut passer par au-dessus, là. Tu montes sur la pierre et en fait par-dessus, et après tu sois bien méthodique. Enfin, du moins bien précis. Et là, vaut mieux passer par-dessus. Ah, non, t'attends qu'elle descende, tu sautes sur elle, voilà. Ou par-dessus elle. Oh. Ah, bah c'est foutu. Bon, allez, on se quitte là-dessus. Bon, je pose. Fini, hein. Bah non, on va se quitter quand même sur des images. On espère sur ce que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez vos commentaires, laissez vos impressions de l'émission et parlez-en. Aïe. Ah, le petit OK hier. Ouais, voilà. On vient de voir. Effectivement, t'en parlais tout à l'heure. Si ça vous a plu, partagez la vidéo. Ça vous prendra pas très longtemps à faire ça. Des petits pouces verts pour nous faire plaisir. Voilà. Non, pas pour nous faire plaisir. C'est vraiment si vous avez aimé. Si vous avez aimé, et puis à plus de nous, ça nous fait toujours plaisir, hein, franchement. Ok, bon c'est fini. Game over. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous aussi, hein. Et oui. Abonnez-vous pour ceux qui c'est pas fait. Et voilà, on va se quitter là-dessus. On vous dit à la prochaine. Sur Castle of Illusion. Sur Castle of Illusion, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Bon, allez, ciao. Ciao.